D'emblée, si vous permettez, je voudrais rapidement revenir sur les dernières sorties du président français. C'est très important. Parce que vous savez, on nous l'a présenté comme un génie. Et vous vous souvenez, j'avais dit ici qu'il était pire que Nicolas Sarkozy. Mais Sarkozy est tout de même plus intelligent que lui. Monsieur Macron n'a pas le niveau pour parler avec les Africains. Et je vais le démontrer très, très rapidement. Il dit que les Africains, quel que soit le taux d'argent qu'on va déverser en Afrique, ça ne peut pas développer le continent parce que nos familles sont très nombreuses. On a des familles de 8 enfants. Commençons par là. Et la Chine fait comment alors? Il peut parler comme ça à la Chine? La Chine est pratiquement à plus d'un milliard d'habitants. Est-ce que la Chine n'est pas en train de se développer, selon les critères occidentaux? Pourquoi ce qui est vrai pour la Chine est impossible en Afrique? Parce que M. Macron, c'est un petit raciste, c'est tout. Il est incapable de conceptualiser et de comprendre le parallèle qu'on peut faire de façon objective entre le développement de la Chine et la puissance démographique du continent africain, puissance démographique qui est un des principaux atouts du continent dans les années qui viennent. Donc, avons-nous affaire à quelqu'un qui ne comprend pas, incapable d'analyser, ou simplement est incompétent pour lui le continent africain? Que les macronistes du continent africain, n'est-ce pas, répondent à cette question et voient que voilà le modèle qu'ils sont en train de vouloir imiter.